Bon, bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que je faisais pas de vidéo comme ça, mais là, c'est important. J'appelle, voilà, c'est très important. Voilà, je suis à Châteauroux, là, donc voilà, déjà il pleut, il fait vraiment pas beau. Je sais pas si vous voyez, là, mais c'est pas très... Voilà, je suis à la gare. Je suis allé à Paris parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je cherche quelqu'un dans ma vie. Voilà, je galère. Hein. C'est dingue parce que moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis très ouvert. J'ai le cœur sur la main, ouais. C'est dommage parce que je suis vraiment quelqu'un de bien, je comprends pas pourquoi j'ai personne là. Je cherche, je vais à Paris, je vais à Tours, là je vais à Tours. Là avec ce temps là que vous voyez, avec ce temps là, et eh ben c'est un temps à rester au lit, sous la couette, avec sa femme, faire des câlins, des bisous. Et je suis là, à la gare, j'attends mon bus pour aller direction Tours. Bah pour trouver ma femme, j'ai pas le choix. Moi, il faut que je trouve quelqu'un. C'est vraiment pénible, chiant. Je me pose la question, quand est-ce que je vais trouver quelqu'un? Sérieusement, je comprends pas. Je sais pas. Je me questionne beaucoup. Je suis sur Instagram, sur TikTok, Facebook, YouTube, je fais des vidéos artistiques, je danse, je fais beaucoup de trucs. Et ben, tellement je fais plein de trucs, il n'y a pas un moyen de trouver quelqu'un. Non, voilà, c'est ça. Il n'y a pas un moyen de trouver quelqu'un. Alors, bon, évidemment, je suis pas beau gosse, mais il n'y a pas la beauté, quoi. Il y a le cœur, je suis très gentil, je blague, je suis ouvert, je suis... Non, mais voilà. C'est chiant, je comprends pas. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, donc je fais tout. Là, avec ce temps-là, il fait vraiment pas beau. C'est décourageant, hein, déjà. Il faut avoir du courage. Hein. Je fais ça pour chercher quelqu'un, pour trouver ma femme. Bah, j'ai vraiment pas le choix. Je fais tout n'importe quoi pour trouver. Là, hier, je suis allé à Paris. J'ai accosté pas mal de filles. Il n'y a pas eu d'échange. Alors, je parle bien. Hein, vous verrez ça sur Instagram et sur YouTube. Enfin, plutôt sur mon Instagram. Et ben, je parle normalement, je comprends pas. Non, parce que je pense que je sais. Bon, il y a aussi, je suis petite taille. Je fais 1m55, voilà, je suis pas vraiment beau gosse. Par contre, j'essaye de m'habiller bien. Vous voyez pas, mais je m'habille à peu près bien. Vous allez voir sur Instagram ou sur TikTok, je m'habille bien, quoi, voilà. Non, je pense que je suis pas connu. C'est un truc de dingue, qu'est-ce que je dis? Quel rapport avec pour rencontrer sa femme? Je pense, si j'étais connu, comme moi que j'aimerais être connu aussi, dans le milieu artistique, je pense si, bah évidemment, c'est évident, si j'étais connu, bah j'aurais quelqu'un dans ma vie. Bah oui, c'est logique. Et c'est bizarre, qu'est-ce que je dis? Il y a des gens qui sont pas connus, ils arrivent à trouver quelqu'un. Bah ouais, bah c'est bien. Moi, bah je sais pas. Moi, il faut que je sois connu pour trouver quelqu'un. C'est ouf. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Donc il faut que je... Là, dans le côté artistique, je fais tout et n'importe quoi pour réussir dans le milieu artistique. Donc je fais tout, quoi. J'essaie de faire des castings, des apparitions, de vidéos, tout ça. Et donc sinon, la solution, c'est passer à la télé, faire un témoignage, passer à la télé, dire, voilà, je sais pas si c'est un voilà,
Je vis seul, j'ai jamais retrouvé quelqu'un, c'est pour ça que je passe à la télé. Il faut vraiment... Et en fait, il faut que je sois connu. Et peut-être j'aurai quelqu'un. C'est fou. Il faut que je passe à la télé. Donc télé, évidemment, télé-réalité. Télé-réalité, je sais pas quoi. Bah pour... voilà. Bah ce que je vais faire, ça à un moment donné. Hein. Moi, j'en ai marre. Hein. Si j'arrive pas à trouver quelqu'un, bah je vais faire ça. Hein. Je vais faire la télé, je vais passer à la télé, dans un plateau de télé. Je sais pas dans quoi, un témoignage, un truc. Pour que je sois connu. Bah ouais. Voilà, donc il fait pas beau. Regardez ce temps là. Et voilà, bon, bah, on va s'arrêter là, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc là, et en plus, il fait super froid. T'as l'impression d'être à l'automne. Là, j'attends mon bus. Je vais vous montrer. Mon bus, il est à... Putain, il pleut. Alors, s'il pleut comme ça à Tours... 8h50, 8h09. Je sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Ouais. Bah ouais, c'est quand même... Alors, j'ai des projets artistiques, hein. J'en ai un sur Paris, samedi prochain. J'espère, c'est bon. Voilà. Donc, évidemment, quand je suis sur Paris et que je fais des projets artistiques, j'en profite, essayer de... de draguer, de faire des rencontres... voilà, pour trouver ma future femme. Ouais, ouais. Je lâche rien, il faut que je trouve quelqu'un. Parce que moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais aujourd'hui, depuis pas mal d'années, c'est construire une famille, d'avoir une femme, des enfants. Là, un exemple, on était en vacances d'avril. Bah, là, actuellement, je serai ma femme avec mes enfants et on ferait des sorties de... voilà. De activité. Voilà, je ferai plaisir à mes enfants. Donc peut-être, j'espère, avec cette vidéo, mais j'en ai fait un tout petit peu pas mal de vidéos comme ça. Mais là, ça faisait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo-là. Parce que, après, j'allais à peu près mieux, même si j'avais personne dans ma vie, mais j'allais à peu près mieux parce que j'avais des projets artistiques. Mais là, c'est que le problème, j'ai des projets artistiques. Un tout petit peu, mais j'ai personne dans ma vie. Et là, c'est dur. Hein. Moi, j'ai du mal, hein, mais je comprends pas. C'est triste. Je comprends pas, je suis gentil. Il y a un truc, c'est pas possible. C'est mon visage. J'ai un visage qui plaît pas aux filles, peut-être. Qui plaît pas aux filles, peut-être, c'est ça. Et ben voilà, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé que ça vous plaît pas, mon visage. Mais blague à part, je suis quelqu'un de gentil. Je suis gentil, souriant. Vous allez voir sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Allez-y voir, je suis franchement quelqu'un de cool. Je suis vraiment cool, gentil. Je suis très ouvert, j'aime beaucoup de choses. Je suis très active. J'aime parler avec les gens, j'aime écouter les gens, j'aime aider les gens, ouais, j'aime aider, rendre service, voilà, bon allez, une petite scène de vidéo, bon on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, je sais pas si on va voir, ah putain on voit rien là. Je voudrais filmer une flaque d'eau.